caravane, Paul cheminé de maison neuve, le fils du seigneur de Chavannes, tout jeune homme déjà militaire, protégé de la Dauversière, héritier d'une vision mystique, celle d'une cité apostolique, assoiffé de justice divine, ces fous de Dieu souhaitent prendre racine dans la vallée du Saint-Laurent, de nouvelles âmes, d'un nouveau sang. Une poignée d'hommes quitte la Rochelle, quatre femmes sur la passerelle, deux vaisseaux emportent Jeanne Mance et Maisonneuve en Nouvelle-France. Le père le jeune à Tadoussac accueille les braves qui débarquent, et puis l'hiver et le printemps ouvrent la voie. Saint-Laurent, c'est qu'elle dérange cette mission de Montréal, la fondation de mon magnifique opposant, leur offre en vain l'île d'Orléans. 17 mai 1642, de Maisonneuve hardi et pieux, érige aux côtés de Jeanne Mance, Fortville-Marie telle une offrande. En bas lui-même, le premier arbre, porte la croix au Mont-Royal, allié des Hurons en péril, le sang des colons baptise la ville. Au-delà des jeux politiques, du manque de tout, des morts tragiques sous les assauts des Iroquois, qui de ces terres étaient les rois. Madame de Peltry les argente, Madame de Bullion les relance, sans colons soldats qui arrivent pour sauver cette folle entreprise. 23 années en cette terre, et Maisonneuve laisse derrière, au-delà des folles croyances, une métropole en Nouvelle-France. 15 février 1612, naquit à Neuville-sur-Vanne, Paul Cheminé de Maisonneuve, co-fondateur de Montréal.